soleil joue avec mes nerfs, je fais ce que je peux pour vous tourner cette vidéo, j'espère que ça va aller. La luminosité n'a pas l'air trop mauvaise là, si je laisse le volet là-bas ouvert, il y a le soleil qui tape au sol et qui me reflète dessus et c'est une catastrophe. Donc là je pense qu'il y a peut-être un petit peu moins de luminosité, mais on a moins de soleil aussi. Donc du coup ça passe mieux. L'intro aura duré 3 plombes, on y va. Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une, vous l'avez vu dans le titre, de toute façon ce n'est plus une surprise, une battle de boxe. Donc nous avons la Birchbox qui me paraît très art déco, je sais pas vous mais moi je la trouve très art déco, et nous avons la Beautiful Box qui est ici, qui fait quand même très estival, il y a des petits maillots de bain, il y a voilà, et le thème c'est Secret Number 5, donc secret numéro 5, Wait, Wet is Sexy. Donc en gros le mouillé c'est sexy. C'est étrange. C'est étrange, bref c'est un mauvais jeu de mots. Alors on va commencer par la Birchbox. Alors qu'est-ce qu'elle contient cette Birchbox? Alors je vous avais dit que je recevais plus de box, mais en fait j'ai pas arrêté mes abonnements, donc je les reçois toujours, mais il va falloir que je pense à arrêter mes abonnements, parce que voilà. Enfin bref, on verra bien. On verra bien si le mois prochain vous en avez encore, c'est que j'ai pas arrêté, si je l'ai fait, si je l'ai pas fait, etc. Bref. Arrête de dire des conneries Hélène, ça ira mieux. Donc le thème de la Birchbox de ce mois-ci, donc de mai 2018, c'est entre les lignes. Ok, pourquoi pas, entre les lignes. Alors, je vais pas me spoiler tout de suite, on va regarder. Donc je trouve déjà deux petits papiers comme ça. Le premier c'est une... ah c'est cool, une Lalabox offerte du site Lalalab. J'adore le site Lalalab, j'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux. Et donc ils nous offrent 32 tirages avec un petit code. Je ne sais pas si je peux vous le montrer parce que ça je vais m'en servir. Donc du coup je vous le montre pas, mais ça je trouve ça cool, en sachant que la Lalabox est 18,90€, donc ça c'est sympa. Et nous avons en mai gagne ce qu'il te plaît, Birchbox présente le jackpot beauté. Donc on peut gagner quoi? Une semaine de vacances de rêve au Club Med, en plus d'autres cadeaux tout en beauté à gagner. Donc c'est un code personnel également, donc je ne vous le donnerai pas, mais je vais aller voir juste après la vidéo ce que je gagne. Si je gagne une semaine de vacances, je crois que je vais péter un câble. Et puis je vous le mettrai là, ce que j'ai gagné. Ouh, à mon avis je vais perdre, hein, mais bon c'est pas grave. Ensuite dans cette box nous avons premier produit que je pioche. Ah je vous ai pas montré, ça se présente comme ça. Voilà, premier produit que je pioche dans cette box, c'est de la marque Kérastase. C'est l'élixir K Ultime, oléo complexe, un masque à l'huile sublimatrice, tout type de cheveux, à rincer. Bon, c'est un masque pour les cheveux quoi. Donc ça c'est cool. Oh, ça sent très très bon, ça sent vraiment très très bon. C'est quand même un format qui est plutôt pas mal, 75 ml, c'est un format voyage. Donc ça permet de l'emporter partout. Donc ça c'est cool aussi. Et au niveau du tarif de cette petite chose, on est à... si je trouve, hein, parce que bah, ils n'ont pas mis les tarifs ce mois-ci. Attendez, si, on est là. On est à... les 200 ml sont à 36,47€. Donc j'essaierai de vous faire la conversion et de vous mettre à la fin de la box le prix. Voilà. Ensuite, deuxième produit dans cette box, de la marque Bitan, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est quoi ce truc-là? C'est un bronzage progressif, un hydratant corporel pour une touche de couleur au quotidien. Ok, bon ça c'est pas trop mon trip, les produits al progressif comme ça, c'est pas trop mon trip. Donc celui-ci je pense que... je vais même pas essayer de l'utiliser parce que c'est pas du tout mon truc. Donc je pense qu'il partira dans une box cadeau qui va bientôt arriver d'ailleurs parce qu'elle se remplit petit à petit. Donc là c'est un format 30 ml, sinon le format vente fait 15,29€. Et ils nous promettent son effet zéro trace même pour les débutantes. Bah, écoutez, pourquoi pas. Ensuite nous avons de la marque Birchbox Accessories une pince à épiler biseautée. Hop, une pince à épiler bleue, hein, biseautée. Elle a l'air pas mal par contre. Il y a des pinces à... il y a pince à épiler et pince... Aïe. Je me pince. Il y a pince à épiler et pince à épiler dans la vie, hein. Voilà. Il y a des pinces à épiler, elles vous coupent le poil plutôt que de l'arracher. Il y en a d'autres qui ne marchent pas du tout et il y en a d'autres qui marchent très bien. Celle-ci m'a l'air plutôt pas mal. Et celle-ci est en vente. Elle fait 12,5 grammes pour les intéressés.
original de mettre le poids d'une pince à épiler. Et elle est au prix de 8,46€ sur le l'e-shop. Et vous la retrouvez en biseauté. Moi je l'ai en biseauté, en pointu ou en droite. Mais écoutez, moi ça me va très bien. Une pince à épiler, il en faut toujours. Donc ça c'est cool. Je sais pas si vous c'est pareil, mais chez moi les pinces à épiler disparaissent tout le temps. Ensuite nous avons un petit produit comme ça de la marque Modelco. C'est le Baked Highlighter. C'est un enlumineur cuit en teinte frosée. Ça fait, c'est tout petit, hein. C'est, vous voyez dans ma main, c'est tout petit. Alors attendez, on va regarder ce que c'est. Hop, je pousse. Mais non, il ne veut pas sortir. Allez, voilà. Donc c'est vraiment tout petit, hein. C'est ridiculement petit d'ailleurs, je trouve. Je ne vais pas arriver à l'ouvrir, si ça y est. Oula. Donc ça se présente comme ça. C'est une teinte originale. Donc c'est du cuir. Ça fait un truc un peu rosé. Ah oui, c'est... Ouh, c'est joli. Je sais pas si vous allez voir. Si, vous allez voir. Regardez. C'est très highlight. C'est joli, j'aime bien. Moi je mets très peu d'highlight parce que c'est pas mon trip. Par contre ça sur la paupière ou en coin interne, je pense que ça peut faire quelque chose de plutôt pas mal. Donc ça plutôt contente. Et ça vaut, est-ce que j'ai le prix, est-ce que j'ai le prix ici, là ça vaut, nous on a 1,5 g et le format vente de 3,5 g fait 21,68 €. Bah écoutez, pourquoi pas. Et je pense le dernier produit de cette box, c'est de la marque Biobel. C'est un masque facial 5 minutes. Un masque qui prépare au maquillage. Donc voilà, le packaging me fait énormément penser à Benefit. Je ne sais pas pourquoi, peut-être le rose, les trucs comme ça. Donc un masque facial qui prépare le maquillage. Et c'est à base de d'huile de titri, donc huile d'arbre à thé, de rosehip extract, je ne sais pas ce que c'est, et de vitamine C. Bah écoutez, ça m'a l'air sympa ce truc. Je l'ai vu là et ça vaut 2,98 € pour un masque. Je trouve que le prix est pas excessif. Donc voilà, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Assez contente de ce que j'ai retrouvé dans cette box. Il y a des produits sympas. J'ai l'impression qu'il manque un petit truc, mais sinon c'est assez sympa. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Il va y avoir une édition limitée, messieurs, qui va arriver. Je le vois là. Voilà, donc ça peut être sympa aussi. Nous avons une édition limitée jeu de jambes également. La Bird Box jeu de jambes. Voilà, pour une maman d'amour. Il y a un petit cadeau pour maman si on veut lui faire un petit cadeau. Et puis, le coffret cadeau Bird Box Nouvel Amour. Pour combler la plus jolie des mamans. Donc, il y a plein d'éditions limitées. J'essaierai de vous les mettre en barre d'infos si j'y pense. Et c'est marqué derrière dans votre prochaine box le vernis de votre choix. Rendez-vous autour du 18 mai dans votre boîte mail sur Facebook et Instagram pour faire votre choix. Donc il y aura forcément un vernis Nelzinc London et je pense en rose ou en rouge. Voilà. Pour la Birchbox, c'est qui pouvait un petit peu s'y trouver. Cette Birchbox, je trouve qu'il manque un truc, je sais pas, il y a un truc qui manque. Ouais, il y a un truc qui manque. On va passer tout de suite à la Beautiful Box. Ou Beautiful Box, je sais jamais comment on prononce. Moi je dis Beautiful. Beautiful Box, je pense qu'on prononce plus. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ça. J'ai cru que ça allait tomber encore. Je vais essayer de tirer le menu pour voir un petit peu. Wait. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Et si pour préparer l'été avec audace et sensualité, vous adoptiez un look de sirène branchée? Plongez sans tarder dans la tendance effet mouillé, idéal pour les beaux jours, éclaboussez de glamour votre beauté et faites-la rayonner d'un éclat glossy ultra naturel. Twisté de brillance trendy, ce style sorti de piscine rafraîchira à merveille votre sex appeal. Waouh! Sex appeal. Alors, nous avons de la marque, je pense que c'est leur marque, ouais, il y a Joyce derrière, donc c'est leur marque à eux. Le Hey Honey Wet, c'est une gelée white look, donc un gel effet mouillé. Gel effet cheveux mouillés. Donc ça se présente comme ceci. Permet d'adopter la tendance cheveux mouillés toute la journée, infusée de miel aux propriétés antioxydantes et émollientes. Elle hydrate le cheveu sans l'alourdir. C'est non testé sur les animaux, c'est 100% vegan pour celles que ça intéresserait. Donc je vais regarder. Oula, oui, c'est... C'est... Comment vous dire? C'est un gel.
Et là, tu en as sur les doigts, Hélène, et tu te rends compte que tu vas pas savoir où le mettre. Je vais le mettre sur mes pointes, voilà. On va faire un petit effet mouillé sur les pointes. Je suis pas hyper fan de l'effet mouillé, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait cheveux gras. J'ai jamais été fan de l'effet mouillé, mais peut-être sur les pointes, vous savez, quand je vous lâche les cheveux détachés, j'essaierai. Je vous en dirai des nouvelles, j'essaierai, je vous en dirai des nouvelles, mais bon, ouais, pourquoi pas, c'est sympa. Ça va dans le thème en attendant. Ensuite, nous avons de la marque Nivea Sun, le Protect and Bronze. Donc, c'est une brume protectrice activatrice de bronzage. Il n'y a pas d'auto-bronzant dedans. Il y a un FPS de 30, donc c'est tout simplement un spray solaire en fait, donc ça c'est cool, en spray je trouve ça vraiment cool, moi j'en ai pas racheté cette année encore, donc c'est très bien, voilà, un spray solaire, ça va dans le thème aussi, je suis ok. Alors dans le fond de la box, j'ai un petit paquet là, mais dans le fond de la box j'ai des petits trucs, Nivea Sun UV Face anti-bronze, anti-brillance, 0% sensation collante, donc c'est une protection solaire, mais cette fois-ci pour le visage, en petit paquet comme ça, à tester. Ça c'est quoi, il nous présente... Donc les produits solaires Nivea, nous avons un masque comme ceci de la marque Simply Wayne, je pense, Prison Perfect, un masque raffermissant pour les peaux matures, merci Beautiful Box, ultra soft, coton, ok bah écoutez ça m'a l'air sympa cette histoire, un petit masque comme ça, c'est toujours bien d'avoir un masque raffermissant à la maison, ça aide par le moment, quand on a la peau... détendu par une soirée ou un week-end phénoménal, comme j'ai pu avoir. Peut-être me le faire après d'ailleurs. Voilà, voilà. Ensuite, dans le petit pochon, nous avons... Alors. Nous avons de la marque... je regarde derrière, Joyce. Donc, c'est la marque Beautiful Box. C'est le Luna Universal Pearl. C'est un gloss pour les yeux. Oula. Effectivement. Ouf, oui, c'est une espèce de petite pâte. Ouf, c'est étrange. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je m'approche. Vous voyez, c'est une espèce de petite patte comme ça. Et sur mon doigt, vous voyez la petite papatte. Attendez, je vais hop. Oh, c'est joli. C'est très lumineux, dis donc. Ah ouais, un gloss effet mouillé pour les yeux, d'accord, ok. Oh, c'est sympa sur la paupière, ça doit être vachement... Ça n'a pas d'odeur particulière. Par contre, sur la paupière, ça doit faire vachement lumineux. Écoutez, à tester, je ne connais pas du tout de produits comme ça. On va s'essuyer sur la pub. Parce que, non, je ne connais pas du tout de produits comme ça. Mais c'est assez sympa. C'est original en attendant. Par contre, il n'y a pas de... Ouais, c'est juste un peu brillant. Bah, là, vous voyez bien en plus. Ça doit faire un peu bizarre sur les paupières quand même. Ensuite, nous avons de la marque Evoluderm, huile précieuse lait corps hydratant. Donc, c'est tout simplement un lait pour le corps hydratant. Les produits Evoluderm, je les connais. Celui à l'huile d'argan et d'onagre, il est vraiment très bien. Donc, ça, c'est cool. En petit format comme ça, ça permet de le glisser dans le sac pour dépanner à un moment ou à un autre de la journée ou de la vie. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, nous avons de la marque... attendez, je vérifie que ce soit pas Joyce. Parce que aussi, c'est la marque Joyce, donc c'est leur marque à eux. C'est le Sunset Boulevard, une huile à lèvres nourrissante. Oh, c'est cool. Vous savez, c'est un peu comme ceux de Clarins et tout ça, qui font des huiles à lèvres nourrissantes comme ça. Donc là, c'est une teinte un peu rouge. Au niveau de l'odeur, ça sent un peu le bonbon. Et ça se présente, je sais pas si il est là, voilà. C'est un petit peu rouge, mais c'est très fin, très léger. Et ça, c'est cool pour l'été. Moi, j'aime bien ces petites choses-là pour l'été, quand j'ai pas envie de m'embêter à faire des make-up trop chargés. Donc ça, c'est cool. Et pour finir, nous avons une petite carte comme ça et une petite bouche marquée Jewels by Au Féminin. Donc, c'est marqué certificat d'authenticité, collier sautoir doré en laiton Sunshine Glow. Créé avec passion en exclusivité pour la Beautiful Box by Au Féminin, White is Sexy. Ce bijou unique et délicat sublimera votre décolleté et d'un éclat ensoleillé. Une irrésistible touche de lumière pour rehausser votre peau. Allez. Écoutez, on va ouvrir. Si on y arrive. Et voir ce qui se cache là-dedans. Alors. C'est rigolo la façon dont ils présentent les bijoux. Je trouve ça sympa, moi. Oula, c'est tout petit. C'est tout petit comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est donc? Hop. Alors, qu'est-ce que c'est donc? Oh, c'est joli. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, beaucoup. C'est un petit collier comme ça. Attendez, ça va faire le focus. Voilà. C'est un collier tout fin comme ça qui est plutôt joli. J'aime bien. Par contre, est-ce que ça va passer au niveau de mon gros cou? Oui. Il y a une chaînette d'ajustement, donc ça, c'est cool. Attendez. Je vais essayer de remonter le mien pour vous montrer ce que celui-ci peut donner. Vous voyez, c'est assez joli. Même avec ça, c'est assez joli. C'est facile à porter. Ouais, moi je suis fan. Je suis totalement fan. Voilà, nous en avons fini avec ces deux box. Alors franchement là, le problème avec Beautiful Box, c'est que je peux pas vous donner de tarif parce que c'est leur produit, on les retrouve nulle part. Donc ça c'est dommage. Par contre là, franchement, si j'avais à choisir une box entre les deux, c'est la Beautiful Box qui gagne sans hésiter. C'est celle que je préfère. Dites-moi si vous préférez la Beautiful Box ou la Birchbox. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.